Pour moi, c'est le message essentiel. Maintenant, il y a également la manière d'aborder les élections. La corruption, toujours par le même RPT Uni, qui donne en période électorale du riz, tout le monde le sait, du riz, de l'huile, des seaux, de la tôle. Et surtout, dans la zone ici, on l'a vu dans la Kéboula la dernière fois, de l'alcool appelé ici Agbengé. Donc, le message principal, c'est le changement et puis la vigilance des populations pour qu'elles ne se laissent pas acheter, corrompre, et puis la vigilance pour qu'elles se tiennent prêtes pour voter pour le changement. Depuis quand vous avez commencé les tournées et ça prend fait quand? La tournée actuelle a commencé en février et elle se termine après-demain, oui. Jeudi prochain. Celle de la région des plateaux. C'est la tournée nationale qui se termine dans 3 jours, jeudi prochain. Et évidemment, nous reprenons une nouvelle tournée nationale. Donc la première a duré 7 mois. Vous avez toujours parlé du changement, je reviens sur cette question. Et puis vous avez dit que le changement ne serait pas pour le parti ANCC, ni pour le canton, surtout un seul canton, ni pour une seule préfecture. Confirmez-vous cette approche? Mais le changement, vous savez, je lutte depuis longtemps pour le changement. Et je pense que le changement là, il est tout proche. Ce changement, il faut que tous les Togolais en profitent. En matière de, je vais me répéter, amélioration des conditions de vie des populations, en matière d'édification d'un état de droit. Tout le monde ressentira dans sa chair que ce que le changement a apporté. Les populations rurales verront, les populations urbaines verront. Tout le monde doit profiter du changement. Ce n'est pas un canton. Moi j'ai une chance. Je suis né à Lomé, je ne suis originaire d'aucun canton. Je suis originaire du Togo et je lutte pour les Togolais. Merci beaucoup.